Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les futurs codeurs de démos en assembleur sur Amiga. Alors, je m'aperçois que dans les précédentes vidéos, j'ai été un petit peu long. Alors bon, le but, évidemment, c'est les débutants, donc c'est d'expliquer les trucs un petit peu en long, large, en travers, en tout cas ce qui m'a posé problème au départ. Donc c'est normal, je suis un petit peu long, mais maintenant ça devrait être un peu plus rapide, les notions de départ difficiles sont un peu vues. Je vais aller un peu plus vite. Ça sera la dernière vidéo sans programmation. La prochaine, c'est promis, on commence à programmer. Enfin, je commence à programmer en mettant goût avec la vidéo, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà, on va finir les bases, on va dire, ou les difficultés de compréhension initiale des subtilités de l'assembleur et de la programmation. Alors, on avait vu la dernière fois les labels et les modes d'adressage. Donc, on commençait le programme par un label run. J'avais oublié de vous dire qu'on pouvait aussi déclarer des constantes, par exemple A égale 4. Quand on met ça au départ, l'assembleur remplacera tous les A qu'il rencontre par la valeur 4. Donc, par exemple, si on fait move.w A,0 RTS, on aura la valeur 4 dans des 0. Il faut bien se rappeler que l'assembleur remplace uniquement la lettre par le chiffre qu'elle vaut. Il faut bien remettre le dièse, hein. C'est exactement comme si on avait écrit move 4,0. À l'assemblage, ça. L'instruction, ça sera move 4,0. Alors, si jamais vous mettez point B, le 4 sera codé que sur un octet. Si vous mettez point W, le 4 sera codé sur un mot. Donc, point B, l'instruction sera codée avec un octet, donc $0,4. Point W, ça sera $0,04. Et point L, ça sera $0,04. Ça dépend de la constante est prise. Oui, c'est ça. La constante est prise en fonction. De ce que vous mettez là, le point L, le point B. Alors évidemment, si vous mettez A égale 453, vous ne pourrez pas le coder sur un point B, hein, puisqu'un octet, ça va que de 0 à 255. Donc, un truc important que moi j'ai mis longtemps à saisir vraiment, c'est pour ça que je vous en parle, les constantes comme ça et les labels en run de points, c'est la même chose. Dans les deux cas, c'est des constantes. Là, c'est nous qui la définissons, on dit A égale 4, là, c'est l'assembleur qui définit une constante. Dont l'adresse est enfin une constante qui vaut l'adresse du début du programme. Mais run, c'est une constante de la même façon que A. C'est juste pas nous qui la définissons, c'est l'assembleur. On a vu la dernière fois comment l'assembleur définissait les labels. Donc, si on veut mettre par exemple run dans A0, l'adresse run dans A0, il ne faudra pas oublier le dièse, pardon, run. Sinon, il nous mettra le contenu de l'adresse run dans A0. Donc là, il faudra bien mettre dièse. Run, A0. C'est exactement comme si on mettait A. Sauf que au lieu d'être A, c'est run, c'est une adresse donnée par l'assembleur. Enfin, choisie par l'assembleur. Voilà, c'était un petit mot sur les constantes. On va finir aussi avec les modes d'adressage. Donc on avait vu les plus fréquents. On avait vu donc le mode d'adressage immédiat. Donc ce que je viens de faire, la move dièse, quelque chose, 4,0, ça c'est. Immédiat. On avait vu le mode d'adressage direct qui utilise les registres D ou A. On avait vu le mode d'adressage absolu, donc $50 000, virgule $51 000 par exemple. Là, il n'y a pas de dièse, donc on met le contenu de l'adresse 50 000 dans l'adresse 51 000. Il y a une petite astuce, un petit truc de programmation que je ne vous ai pas montré. Le 68 000 a deux modes d'adressage absolu. Le mode d'adressage absolu long, donc c'est ce qu'on vient de voir, 50 000 et 51 000. Et le mode d'adressage absolu court. Donc, c'est-à-dire dire que, par exemple, pour des adresses qui sont inférieures à $FFFF, donc des adresses qui tiennent sur 4 octets, on peut les écrire de façon courte. Donc, par exemple, move $4,A6, par exemple, peut s'écrire aussi move.L $4,W,A6. Les deux instructions font la même chose. Elles mettent le long mot situé à l'adresse 4 dans A6. Donc, le long mot situé à l'adresse 4, on va regarder ce que c'est, H$4, H.L pour voir en version long mot. Quand on fait H$4, on voit tout en octet. Donc, on a octet par octet là dans la mémoire. Si je mets H.L, je vais voir tout sous forme de long mot. Donc, H.L$4. Vous voyez qu'à l'adresse 4, il y a l'octet 0,0, puis ensuite à l'adresse 5 il y a C0, à l'adresse 6 il y a 0,2 et à l'adresse 7 il y a 76. Ce long mot-là,
il va être donc mis par nos instructions là dans l'adresse, enfin dans le registre A6. Par exemple, si je fais assemblée J, j'ai bien dans A6 ici, C00276. La différence entre les deux là, c'est comme l'adresse 4. Donc l'adresse est toujours codée sur 32 bits théoriquement, donc l'adresse 4 c'est 00000004. Donc là, comme les deux premiers octets sont à 0, on peut utiliser un mode d'adressage un peu particulier du 68000 qui est l'adressage absolu court. Il va coder l'instruction sur moins d'octets, parce qu'il considérera toujours que les deux premiers sont à 0,0. C'est un peu tordu, bon. C'est parce que je vous en parle, parce que vous le verrez souvent dans les démos, parce que les programmeurs de démo étaient. L'assembleur n'avait plus de secret pour eux, donc ils codaient souvent tout de façon optimale. En particulier les adresses entre 00, 00 et FFFF, ils les mettaient avec un point W pour que ça aille plus vite. Je vais vous montrer comment sont codées les adresses à partir. Comment sont codées pardon, les instructions. Donc vous voyez la première, le move.L, on va dire normal. L'adressage absolu, donc 2C79, je rappelle, hein, ça veut dire adressage absolu vers A6 de la valeur qui suit. Donc 00004. Et bien l'instruction d'en dessous, qui est 2C78 de l'adressage absolu court, on ne code que 0004. Donc l'instruction est plus courte. Elle fait 2 octets de moins. Donc elle sera fetchée plus vite de la mémoire vers la 68000. Donc on gagne du temps d'exécution. Voilà. Bon, c'est un mode de dressage un peu particulier, pas vraiment utile pour l'instant pour nous, mais comme vous le verrez peut-être souvent, ça s'appelle donc de l'adressage absolu court quand on met le point W. Ensuite, il y a les modes d'adressage indirects, c'est-à-dire qu'on va utiliser les registres d'adresse. Alors, c'est un mot très compliqué pour quelque chose d'assez simple, qui est assez intuitif. On va refaire, comme dans la vidéo précédente, une table avec des chiffres. Donc, par exemple, DC.W, $6, $7, $4C, $3B, $2E, etc. On va mettre dans A0, par exemple, l'adresse de table. Donc je vous rappelle, table est une constante. Une constante. Donc on est obligé de mettre move.L table, virgule A0. On est obligé de mettre le dièse. Et on est obligé de mettre .L parce que c'est une adresse. Donc table, ça tient toujours sur 32 bits, donc on met .L. Et ensuite, on peut mettre le contenu de table grâce à l'adressage indirect. Par exemple, on peut mettre le point W contenu à table en faisant A0, pardon, virgule D0. On va mettre avec ce chiffre entre parenthèses, enfin le registre d'adresse à 0 entre parenthèses veut dire adressage indirect. Ça, c'est de l'adressage indirect. Donc, si je reprends un peu comme la vidéo précédente, je répète encore un petit peu, je suis désolé. Donc, A0 vaut table, c'est-à-dire A0, je vais réécrire mes points W en entier pour que ça soit bien clair. Donc, c'est 0006, 0007. 004C et 3B2. Donc A0 table, l'adresse table, c'est l'octet qui est ici. Table, c'est ici. 00. Ça c'est table plus 1, ça c'est table plus 2, etc. Donc pour l'instant, A0, là on a mis l'adresse table, donc A0 est ici. A0 est l'adresse qui correspond à la valeur ici. Donc là on met le contenu de l'adresse A0. Sur la taille d'un point W dans D0. Donc on met 0006 dans D0. Ok, si j'avais mis point L là, on aurait mis 0006, 0007 dans D0. Et si j'avais mis point B, on aurait mis 00 dans D0. Donc ça, c'est de l'adressage indirect. On utilise un registre d'adresse comme pointeur vers une adresse mémoire et ensuite. On met le contenu de cette adresse mémoire, et non pas le contenu de A0, quelque part, dans D0 par exemple. On peut rajouter un offset, ou une valeur en plus, on appelle ça, enfin dans les menus, dans les manuels du 68000, ils appellent ça indirect with displacement, avec déplacement. En général, on appelle plutôt ça un offset, c'est-à-dire que on va mettre par exemple le 4, pour que ce soit plus simple. Là, en fait, l'assembleur, enfin le 68000 va prendre A0, va ajouter 4, et seulement après, il va prendre le contenu donc de A0 plus 4 pour le mettre dans D0. Donc là, si on revient à notre exemple tout de suite, on va mettre. Donc là, il y a A0 au départ. Il va aller chercher A0 plus 4, donc A0 plus 1, A0 plus 2, A0 plus 3, A0 plus 4, on est ici. Et on va mettre le point W, donc 004C,
dans D0. A0 n'a pas changé, hein. Le processeur n'a pas ajouté 4 à A0. A0 a toujours cette valeur-là, qui est table. Et il ajoute, il va chercher 4 plus loin, mais on n'a pas changé la valeur de A0. On peut faire, hop là, on peut faire de l'adressage. Alors, le maximum pour cet offset, c'est 16 bits. Donc, on peut maximum mettre XXXX ici avant A0. C'est-à-dire des valeurs de 0 à. Enfin, de moins 3. Enfin, on verra les valeurs négatives et positives. Mais on peut pas, en tout cas, on ne peut pas aller plus loin que 16 bits pour l'index. On peut faire ce qu'on appelle de l'adressage. Pour l'offset, pardon. On peut faire de l'adressage indirect indexé. Alors là, c'est. On va utiliser un registre en plus de données. Par exemple, on va mettre 4 dans D1. Et là, on va mettre A0,T1.W. Je mets le point W parce que là, j'ai rentré qu'un point W dans D1. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a avant dans D1. Donc, il vaut mieux se limiter au point W. Si j'avais mis un long mot dans D1, je pourrais mettre point L ici. Donc là, pareil, c'est un mot compliqué, un direct indexé. Mais en fait, juste le processeur va ajouter à A0 la valeur de D1. Il va aller chercher le contenu de A0 plus D1. Donc pareil, là, on va être en A0 plus 4. Donc 1, 2, 3, on va être ici. Et il va prendre le mot qui est en A0 plus 4 pour le mettre dans D0. Et là aussi, on peut faire un adressage indirect indexé avec des placements. On peut mettre un 2 devant, par exemple. Donc il ajoutera à A0 la valeur de D1. Il ajoutera 2 et il le mettra dans D0. Dans ce cas-là, quand c'est indexé, l'offset ne peut avoir que 8 bits. Voilà. Alors, je passe assez rapidement parce qu'en fait, à l'usage, c'est pas très. On s'y fait assez bien tout ça, même si au début, ça paraît compliqué. On a fini pour les modes d'adressage, je pense. Il reste le mode d'adressage avec le PC, mais pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais vous parler aussi des chiffres signés en informatique, parce que moi, j'ai eu un petit peu de mal au départ avec les chiffres signés. Je vais faire une petite aparté sur les chiffres signés. En informatique, quand on représente un octet par exemple, je vais revenir à comme dans les premières vidéos, je vais vous redessiner un octet avec mon dessin à la souris qui est tout pourri là. Je vais quand même essayer de faire ça correctement. Quand on fait un octet de donc 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc les rangs de 0 à 7 et les valeurs de 1 à 128. Si on met des 1 dans tout l'octet, ça vaut 255 au maximum. Le problème, c'est que ça va de 0, les possibilités vont de 0 à 255 en décimal. Ou de en hexadécimal, de 0, 0, de dollar 0, 0 à dollar FF. Le problème, c'est que là, on ne peut pas représenter avec ça des chiffres négatifs. Donc, il a fallu une convention pour décider de comment on allait représenter les chiffres négatifs. Alors, pour représenter un chiffre négatif, on a décidé que le premier bit, enfin, le most significant bit, donc le bit 7 pour un octet, serait à 1. Et qu'ensuite, ensuite, c'est compliqué. Ensuite, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, dans un chiffre négatif, le most significant bit est toujours à 1. Donc, par exemple, les chiffres de. Si on prend un octet simplement, donc deux symboles hexadécimaux, les chiffres de 00 à $7F sont des chiffres positifs. Ça va de 0 à plus 127. Ensuite, si on passe au-dessus, à partir de $80, le most significant bit est mis. Donc, ça va être des chiffres négatifs par définition. Enfin, ça peut être des chiffres négatifs. Le processeur peut les considérer soit comme des chiffres négatifs, soit comme des chiffres positifs au-delà de 127. Alors, $80, ça va être en négatif moins 128. Ensuite, $81, ça va être moins 127. Moins 127. Ensuite, $82, ça va être moins 126. Etc. Jusqu'à $FF, qui va être égal à moins 1. Alors comment on fait pour trouver ce chiffre? On fait ce qu'on appelle le complément à 2, c'est-à-dire qu'on commence par écrire le chiffre en positif. Donc par exemple, on veut écrire le chiffre 24, on veut obtenir depuis 24, on veut obtenir moins 24 dans un octet. Alors on va d'abord commencer par convertir 24 en hexadécimal. Donc 24 c'est 16 plus 8, donc c'est $18, $1,8.
Bon, là, je vais pas revenir là-dessus, je l'ai fait au long et large après la vidéo. Et ensuite, donc, $18 sur un octet, ça s'écrit comme ça, vous vous rappelez. Hop. Donc, si je le coupe en deux, mon octet, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je prends mon premier petit dibble, là, le 1. Donc, le 1, il s'écrit 0, 0, 0, 1. Et le 8, il s'écrit 1, 0, 0, 0. On va commencer par faire un dot de tout ça. Un dot, c'est une opération logique qui consiste à inverser tous les bits. Donc c'est assez simple. Le dot de $18, le dot de $18, c'est d'ailleurs une instruction du 68000. On peut faire dot quelque chose. Le dot de $18, c'est 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Donc ensuite, ça c'est quand on fait le dot de quelque chose, ça s'appelle le complément à 1. Et ensuite, on va ajouter 1 à ce chiffre. Donc si ce chiffre-là, il vaut, si on reprend notre petite table, il vaut 8 plus 2, 8 plus 4, pardon, plus 2, 13, donc c'est-à-dire dollars, 13 c'est D, c'est, pardon, je dis n'importe quoi, D. 8 et 4, 12, 8 et 4, 12, 13, 14, pardon, je dis des bêtises. 8, 12, 13, 14, ça fait donc dollar E, hop, dollar E, voilà. Et ensuite, là, on a 4 plus 2 plus 1, je vais les écrire en dessous, 4 plus 2 plus 1, ça fait 7, c'est dollar E7. Dollar E7, ça c'est le complément à 1 de dollar 18. On va ensuite ajouter 1, et ça sera le complément à 2, ça fera dollar E8. Dollar E8. Donc le complément A2 de dollar 18, c'est dollar E8. C'est bon. Dollar E8. Alors, on peut essayer de vérifier ça comme ça en faisant moins 24. Ça nous met bien. Alors, il me le met sur un long mot, mais ça met bien dollar E8 à la fin, vous voyez, sur un octet. Pour l'instant, je ne vais pas expliquer pourquoi il l'écrit comme ça. Il étend le bit de signe à tout le reste du long mot. Donc c'est pour ça qu'on n'a que des F après. Mais on est bien d'accord, moins 24, ce code de la E8 sur un octet. Après, le raisonnement est le même pour des mots et des longs mots. Si vous avez donc les mots, ça sera dollar de 0000 à dollar 7FFF. Ça sera donc les positifs de 0 à 32 000. 32 767. Et ensuite de dollar 8000 à dollar FFFF, on aura les chiffres de moins 32 768 à moins 1. Et pour les longs mots, c'est pareil, mais ça va de moins 2 millions, je sais plus combien. Voilà. Donc on va voir après comment le processeur est-ce qu'on peut utiliser soit les chiffres de 0 à 255, soit les chiffres de 0, de moins 128 à plus 127, en fonction de ce qu'on veut, si on veut ou pas utiliser les chiffres négatifs. Donc il y a des petites. Le processeur a des instructions pour dire pour choisir s'il prend des chiffres négatifs ou pas. Bon, on verra ça un peu plus en détail après, mais c'était la base des chiffres négatifs, ça. Par exemple, l'instruction multiplier du processeur, c'est mul. Si on met mulu, il fera ce qu'on appelle une multiplication unsigned. Il considérera que le bit de signe ne compte pas. Enfin, ça va jusqu'à 0,255 pour un octet, par exemple. Et si on veut une multiplication signée, on mettra mul. Pour les additions et les soustractions, add et sub, c'est les instructions pour faire des additions et soustractions pour le processeur. Pour l'instant, je vais vous demander de considérer que c'est toujours signé, même si ce n'est pas si simple. Mais bon, on va considérer que c'est toujours signé pour l'instant. Voilà, ça c'était pour la fin des bases sur les chiffres signés, sur les modes d'adressage, sur les constantes. Alors, il y a une chose que je n'ai pas traitée encore, qui est le statut register. Je vous en avais parlé rapidement au départ dans l'Amiga, sur le schéma de l'Amiga. Je vous avais dit dans le 68000, il y a un petit statut register ici. Alors, je vais vous en parler maintenant pour savoir ce qui se passe. Le statut register, alors il est divisé en deux, en fait, deux octets. Le statut register, il fait 16 bits, donc il est ici, là.
Alors, il y a le bit du haut, le most significant bit, enfin, l'octet du haut, pardon, le most significant byte, qui concerne, on va dire que c'est les experts de la programmation Amiga. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et il y a le less significant byte, et non pas bit, hein, donc l'octet le moins signifiant, l'octet du bas des 16 bits, qu'on appelle le CCR, c'est-à-dire le Condition Code Register. Alors vous voyez, le bit 7 dans ce CCR ne veut rien, ne sert à rien, le bit 6 ne sert à rien, le bit 5 ne sert à rien. Le bit 4, c'est ce qu'on appelle le bit X, on ne va pas le voir, ce n'est pas très important. Le bit 3, c'est le bit N, donc le processeur, le 68000, va mettre ce bit à 1 quand le résultat d'un chiffre est négatif. Enfin, le résultat d'une opération, de n'importe quelle instruction, résulte dans un chiffre négatif. Le bit 2, c'est le bit Z, donc bit 0. Le processeur va mettre ce bit à 1 à chaque fois que le résultat d'une opération est égal à 0. Une opération ou d'une instruction, tout simplement. Le bit V, c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer ça après. C'est quand le bit de signe change alors qu'il ne devrait pas. Et le bit 0, c'est le bit C carry. C'est quand il y a une retenue dans une opération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place dans les opérandes pour faire l'opération. On va illustrer ça tout de suite, de façon assez simple. Enfin, j'espère. On va commencer par mettre une valeur dans un point W dans des 0. On va mettre par exemple dollar, je sais pas, dollar 4 dans des 0. Et ensuite, on va lui enlever 4. Sub point W, 4,8 des 0. RTS. Donc le résultat de cette opération, ça va être qu'il y a 0 dans des 0. Donc normalement, après le sub, le bit 0 dans le condition de code register va être mis. On va vérifier ça tout de suite. Parce qu'ici, on a les bits du condition de code register qui nous sont mis par ASM1, ici là où il y a ma souris. Donc vous voyez, il nous donne le résultat du statut register en version, on va dire en version normale, quoi. Il compte les bits. Donc le bit 4, celui qui vaut 4, ça doit être le bit 0, si je ne dis pas de bêtises. Donc le bit 4, c'est le bit, là c'est le bit qui vaut 1, là c'est le bit qui vaut 2, là c'est le bit qui vaut 4. Donc c'est bien ça. Donc, mais là il nous met de façon plus simple ici. Il nous met que le bit 0 vient de changer, puisqu'on a enlevé 4 à 4, donc on a eu un résultat de 0. Si j'avais enlevé 5 à 4, enfin 5 à des 0, il nous aurait positionné le bit négatif, la n. Et aussi le bit carry, mais bon, c'est un. Bon. Et en tout cas, il nous met le bit négatif à n. À 1. Le bit négatif est 1. Si on fait une opération trop grande, par exemple, si je mets FFFF dans des 0 et que j'ajoute 5, je ne peux pas ajouter 5 à FFFF puisque je suis déjà au maximum de ce que peut contenir un mot. FFFF, ça vaut 64 535. C'est-à-dire le maximum que peut contenir un mot. Ou alors moins 30, enfin moins 1 si on est en représentation négative. Si j'ajoute 5 à ça, le processeur ne peut pas ajouter 5 à ça. Donc il va y avoir ce qu'on appelle une retenue, carry en anglais. Quand il va ajouter les bits 1 à 1, alors je ne vais pas faire l'addition des bits 1 à 1 parce que c'est trop long, mais il va ajouter 1 à 1, enfin là on a tous les bits sont à 1 dans le mot, dans des 0. Donc il va ajouter 1 à ça, donc il va ajouter 1 à chaque rang, jusqu'à il va se retrouver ici, il ne pourra plus, on sera au bit 15, il ne pourra plus aller au bit 16 puisqu'il n'y a pas de bit 16 hein, dans un mot. Donc il va le mettre, ce bit 1 qu'il aurait gardé en retenue pour continuer l'addition, il va le mettre dans le bit carry du statut register. Il va le mettre, au lieu de le mettre dans une case qui n'existe pas dans un mot, il va le mettre dans le bit carry du statut register. Donc le bit 0 du statut register, le bit C. Du condition de code register. Il va passer ce bit carry à 1. Tout ça, on en aura besoin, enfin, on n'a pas vraiment besoin en fait, le processeur le fait tout seul, mais ça va nous servir à faire des tests. Quand on fait quelque chose, par exemple ici, on va pouvoir faire des branchements conditionnels, c'est-à-dire des branchements en fonction du résultat de ces bits dans le condition de code register. Par exemple, si on met 0 dans des 0. Alors je vais d'abord faire un branchement inconditionnel. L'instruction pour ça c'est bras. Donc on va mettre un autre label qui s'appelle fin ici. Et là je vais faire bras fin. Et en dessous je vais mettre une instruction. Par exemple move Q 34,D1.
Cette instruction ne sera jamais exécutée, puisque le processeur va mettre 0 dans D0, et ensuite il va aller directement à fin. Le processeur, il va mettre 0 dans D0, et ensuite on lui dit va directement à fin, donc va ici, donc il va faire le RTS. Donc vous verrez, après l'exécution, il n'y aura pas 34 dans D1, puisque cette instruction n'a jamais eu lieu. Si on assemble pour vérifier, et qu'on lance, il n'y a bien rien dans D1. Il n'a pas mis 34 dans D1. Donc, par contre, si on avait mis alors, branche afin que si ça n'est pas égal à 0, à côté du B, là, on va pouvoir mettre un code de condition, là où j'ai mis XX. Alors, je vais essayer de vous montrer les codes de condition qui sont par ici. Voilà, ils sont tous ici. Le XX qui est là. Ça va pouvoir valoir T, F, H, I, L, S, C, 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 S, C, C ou H, S, c'est pareil. En fait, le vrai code de condition pour le CCC, dans la doc du 68000 par Motorola, et beaucoup d'assembleurs trouvaient ça plus logique de mettre H, S qui veut dire Higher or Same. Donc ces deux façons d'écrire vont aboutir à la même instruction. Donc NE, c'est not égal, donc ça veut dire non égal à 0. Mais EQ, c'est égal, donc équivalent à 0. Donc là, vous avez tous les codes de condition, et à côté, vous avez les bits qui sont regardés dans le condition de code register. Vous voyez, au-dessus, là, il y a les opérations qui sont effectuées avec ces bits. Alors, quand il y a un prime, c'est que, par exemple, je ne sais pas, non égal à 0, le processeur va vérifier Z prime, c'est-à-dire que le bit 0 n'est pas mis. Sinon, il considérera que c'est forcément égal. Donc si égal, au contraire, il va vérifier que le bit 0 est mis. Alors après, on n'a pas encore vu, mais il peut faire aussi un AND entre deux bits, ou entre plusieurs bits même, et un OR avec le plus, entre plusieurs bits aussi. Bon, là, c'est assez complexe. Hein. Si vous voulez vous amuser à essayer de comprendre chaque bit et pourquoi ça donne égal, non égal, overflow. Mais en gros, ce qu'on va avoir besoin de retenir, nous, c'est les codes de condition ici, hein, pour savoir ce qu'on fait. Donc là, en l'occurrence, si on met NE, ça veut dire non égal à 0. Il ira à fin. Mais comme c'est égal à 0, l'opération d'avant, le bit 0 sera mis dans le condition de code register. Donc là, il ne va pas aller à fin, il va aller à l'instruction d'après, c'est-à-dire move Q 34,D1. Si on assemble ça, là on a bien, enfin 34, c'est-à-dire $22 en D1, qui correspond, si j'avais mis $34, ça aurait été un peu plus parlant. On recommence. Il y a bien $34 dans D1, qui veut dire on n'a pas sauté à fin. Hein, ça, c'est un branchement conditionnel, BNE. Il n'y a pas de if then else en assembleur comme dans les langages évolués, le BASIC ou le C. Donc, on fait que des branchements en fonction du résultat de l'opération d'avant. Alors, par exemple, si on fait move 0 ou move 4,D0, move 5,D0, et ensuite on lui enlève la valeur 3, par exemple, on lui enlève la valeur 6. On va obtenir un chiffre négatif. Donc, on peut mettre, par exemple, si on regarde les conditions code register, on va pouvoir regarder si on a obtenu un chiffre négatif. Donc, ça s'appelle MI minus. MI, ça voudrait dire qu'il y a un chiffre négatif qui est obtenu par le résultat de l'opération. Donc, si on fait BMI fin, on assemble. Là, du coup, hop là, j'ai pas effacé D1 au départ, donc c'est évidemment pas très parlant. Je vais effacer D1 au début. Vous voyez, il y a bien 0 dans D1. Il n'est pas, il n'a pas, il est allé directement à fin, puisque le résultat des opérations d'avant est négatif. Donc, les opérations d'avant, c'est ça. Donc, le processeur met 5 dans D0, retranche 6, donc on se retrouve avec un chiffre négatif. Comme on est avec un chiffre négatif, la condition est vérifiée, minus est vérifié, donc il va à fin. Donc, cette instruction-là n'a pas lieu. On va en avoir besoin dans la vidéo suivante de tous ces branchements conditionnels. Alors, le problème de ça, c'est que si on veut comparer un chiffre avec un autre, par exemple, si on veut comparer D0 avec, enfin, D0 avec 6, là en l'occurrence, il faut lui faire un sub, c'est-à-dire qu'il faut changer la valeur de D0. Donc plutôt que de faire sub, on peut faire simplement compare, CMP. C'est exactement pareil que sub, c'est la même chose, sauf que la valeur de D0 ne change pas. Quand on faisait sub, on avait des 0 qui valaient 5 moins 6. Là, quand on fait CMP,
On regarde le résultat de 5 moins 6, mais des zéros restent à 5. Ça évite, ça peut être très dur. Hein. C'est ce qu'on fait tout le temps avant un test, en fait. Et donc là, on regarde si des zéros, le condition de code reste le même. On aura toujours 0 dans des 1. Donc si, voilà. Si on veut faire un test, en général, on met CMP, on ne met pas sub, puisqu'on ne veut pas que des zéros changent. Mais parfois, vous voulez que des zéros changent en même temps, du coup, vous faites d'une pierre deux coups, vous faites sub, des zéros changent, et vous faites l'opérateur de comparaison. Voilà, ça c'est bon, ça, on va s'en servir évidemment tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est la seule façon pour nous, les humains, de faire changer le processeur en fonction de résultats d'opération. Donc c'est la seule façon de faire des branchements, quoi, de faire changer de direction dans le programme, si on peut dire. Donc il faut bien comprendre que si la condition n'est pas vérifiée, le programme continue derrière. Donc là, il va continuer, si la condition n'est pas vérifiée, il va effectuer le move Q, puis il va aller à fin quand même. On verra ça plus en détail dans la vidéo d'après. Donc, je vous ai encore une dernière chose au niveau des bases, et puis après, ce sera fini. Il y a les opérations logiques, qui ne sont pas toujours faciles à comprendre au départ quand on fait de l'assembleur. Donc, elles sont principalement, on a déjà vu note. Hein, note, ça veut dire qu'on fait l'inverse. Donc, si je mets move pour B, par exemple, $0000, pardon, pourcent, 0000111, dans des 0, dans des 0, ah, dans des 0. Et qu'ensuite je fais note de D0, le résultat dans D0, ça sera 1111100. On va voir ça tout de suite. Donc c'est bien F0. C'est-à-dire tous les bits ici sont mis, 0000, et tous les bits ici sont annulés. Donc ça c'est la première opération logique, c'est la plus simple. Après, il y a ce qu'on appelle le AND. Alors le AND c'est assez subtil, même si au début ça a l'air simple. Le AND c'est, par exemple, si on va prendre que 4 bits hein, pour se simplifier un peu la vie. Si on a le bit donc 0, 0, 1, 1, et là on va mettre 0, 1, 1, 0. Si on fait ça, par exemple il y a ça dans des 0, et qu'on AND des 0 avec ça, le résultat, c'est 0 plus 1. 0 AND 1, ça fait 0. 1 AND 1, ça fait 1. 1 AND 0, ça fait 0. 0 AND 0, ça fait 0. Donc pour qu'il y ait un 1 dans le résultat, il faut qu'il y ait 1 aux deux endroits en même temps. Alors, ça c'est assez compliqué à expliquer en 2 minutes, mais l'objectif c'est surtout de faire ce qu'on appelle des masques. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, une valeur dans des 0. Je ne sais pas moi, 4, 3, 2C. Et vous ne voulez garder que l'octet, là, vous ne voulez garder que le 2C. Vous allez faire AND.W dollar 00 FF, virgule D0. Vous allez mettre des 1 dans les deux nibbles de la fin, là. Donc vous allez garder le 2 et garder le C, puisqu'il y a des 1 partout là. Donc le AND va forcément garder les 1 du premier octet. Et par contre, là, vous avez mis des 0 dans le AND derrière, donc 4 et 3 seront annulés. Donc le résultat, ça sera 2C dans des 0. Si on assemble, il y a bien 2C dans des 0. Donc, si je... Pour vraiment détailler cet exemple-là, je vais faire les 4 octets là. De des 0. Donc ça, c'est des 0. Des 0 vaut en hexadécimal, donc dollar 4. 3, 2, Donc, si on le met en binaire, ça fait 0, 1, 0, 0. Là, ça fait 0, 0, 1, 1. Là, ça fait 0, 0, 1, 0. Et là, ça fait 1, 1, c'est 12. Donc 8 et 4, 12, 0, 0. On a AND ça avec 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, et 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Donc on a gardé, là on a mis que des 0. Donc de toute façon, tout ce qu'il y avait là est effacé. Puisque un AND avec un 0, c'est toujours un 0. Donc là, il y a un en hexadécimal, il y aura donc un 0 ici,
1-0 ici. Et là, par contre, tout est gardé, puisqu'on a mis pionnet 1. Donc, on aura bien 2 ici, et c'est ici, puisque seul sera gardé ce bit-là. Et seul sera gardé ces deux bits-là. Donc, c'est ce qu'on appelle faire un masque, ça. Alors, ça a l'air pas trop compliqué. En fait, y a quand même plein de possibilités avec ça. Par exemple, les restes de division peuvent être faits avec un AND. Les restes de division par des puissances de 2. Alors, par exemple, si on met $3C et qu'on fait AND $F, $0000F, on aura le reste de la division de 432C par 16. En faisant ça. Alors, au début, ça paraît un peu bizarre. Donc, je vais reprendre le décimal pour que vous compreniez pourquoi ça fait ça. Quand on écrit 4327 en décimal, et qu'on divise par 10, on divise par 10, ça fait 432, et il reste 7. On a divisé par 10, il reste ce qu'il y a avant 10, c'est-à-dire les unités 7. Si on avait divisé par 100, ça ferait 43, il resterait 27. Et bien en binaire, c'est pareil. Comme on a des puissances de 2 à chaque fois, donc, les bits valent 1, 2, 4, 8, 16, etc. Si je garde que ces deux bits-là, j'ai le résultat de division par 4. Puisque ici, ici c'est 4. Donc si on ne garde que ces deux bits-là, on aura le reste de la division de tout le chiffre qui est avant par 4. Il restera forcément un chiffre entre 0 et 3. Au contraire, si je divise tout le chiffre qui est avant là, par 8, le reste de la division par 8, ça sera ici. Un chiffre entre 0 et 7, 4, 5, 6, 7. Donc le AND, là, peut servir à obtenir le reste d'une division par une puissance de 2. Le reste d'une division entière par une puissance de 2. C'est quand même bien pratique. Alors comme autre opération logique qui est un peu plus simple à comprendre, c'est le OR. Donc le OR, c'est... pareil, on va faire que 4 bits pour pas trop se compliquer la vie. Par exemple, j'ai 0, 0, 1, 1 dans des 0. Et je le or avec 1, 0, 1, 0. Alors là, partout où il y aura des 1, ça marche. Donc 0 et 1, ça fera 1. 0 et 0, ça fera 0. 1 et 1, ça fera 1. 1 et 0, ça fera 1. Donc le or, ça sert à mettre des bits quelque part tout en gardant le reste. C'est beaucoup plus simple que le AND, je trouve. Par exemple, si je fais OR.W je sais pas, 8 0 0 0 0, je veux mettre le bit, le most significant bit de D0 à 1 là. Je vais mettre le dernier bit, je vais obligatoirement le mettre à 1 parce que j'ai bien 1 1 dans le OR. Donc de 4 3 2 C, on va passer à C 3 2 C. Donc, si j'assemble. Voilà. Je vous remontre rapidement, mais c'est assez simple. Je vais dessiner que le dernier petit nibble là, celui où il y a 4 là. Où il y a 8 ici. Donc au départ dans des 0, le dernier petit nibble il y a 4. Donc il y a 0, 1, 0, 0, 1, 4. En hexadécimal. Je OR avec 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire 8 en hexadécimal. Il reste bien 1, 1, 0, 0. Donc 8 plus 4, c'est-à-dire 12, c'est-à-dire C. On a bien donc, comme résultat C, 3, 2, C. Et la dernière opération logique qui existe, c'est le EOR, le OU exclusif. Donc là, c'est pareil que le OR. Ça met des 1 partout. Là, par exemple, 0, 0, 1, 1. On va ORer avec EORer. Avec 1, 0, 1, 0. Alors en fait, là, le EOR, il fait pareil, donc il met des 1 partout. Là, 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 0, enfin 0 et or 0, ça fait 0. Mais 1 et 1, 1 et or 1, ça fait 0 aussi. Donc là, le et or sert plutôt à annuler des bits qui seraient dans la source. Bon. Moins utilisé, surtout pour faire des codages, des choses comme ça. Je crois qu'on a fait le tour des choses que je voulais voir avec vous. Ah si, il y a une dernière... Une dernière instruction qui m'a posé problème, moi. Alors, je vous avais dit dans une des vidéos précédentes, je ne vais pas faire le tour de toutes les instructions du 68 bits, parce que là, on ne s'en sort plus. J'insiste sur celles qui posent des problèmes. Après, il faut que vous alliez quand même chercher dans un livre les instructions du 68 bits et comment elles fonctionnent un petit peu.
Mais on va essayer de les amener au fur et à mesure de la programmation, donc vous n'avez pas forcément besoin de le lire pour l'instant. Les instructions les plus difficiles, j'essaierai de faire des détails dessus. Il reste une instruction un peu que moi j'ai trouvé un peu compliquée, c'est les instructions de décalage rotation. C'est les instructions écrites LSL, LSR, ROR, ROLL. Alors, ces instructions, elles décalent les bits de quelque chose dans un sens ou dans l'autre. L c'est pour left, R c'est pour right. Donc, exemple, si je fais LSR 1,0, on va faire quelque chose de plus simple. Là, on va mettre de l'art 0,0, 2,0. Donc, si on décale, donc on a par exemple, pareil, on va faire 4 bits, 0, 1, 0, 1. LSR 1, ça veut dire qu'on va tout décaler à droite de 1. Donc là, ça va devenir, le 1 va s'en aller, le 0 va passer là, le 1 va passer là, le 0 va passer là. LSL, ça va être le contraire, tout va être décalé par là. Donc le 1 va passer là, le 0 va passer là, le 1 va passer là, le 0 va passer là. Donc c'est des décalages à droite ou à gauche du nombre de bits qu'on a écrit ici. Alors là, c'est que 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça représente une multiplication par 2, une division par 2 à chaque fois qu'on passe un rang. Alors là aussi, comme en décimale, si je fais 102 et que je multiplie par 10, donc que je décale vers la gauche, je vais ajouter un 0 à droite. Donc ça, 1020, c'est bien 102 fois 10 en décimale. Et bien, en binaire, enfin, en binaire, c'est la même chose. Si j'ai 4 bits, si je les décale vers la gauche, que je rajoute un 0 par là, j'ai bien multiplié par 2. À chaque fois que je passe un rang, je multiplie par 2 mon chiffre. Chaque fois que je décale vers la gauche. Et chaque fois que je décale vers la droite, je divise par 2 mon chiffre. Donc c'est une instruction qui sert en particulier à multiplier ou à diviser par des puissances de 2. Beaucoup plus vite qu'en utilisant l'instruction MULU, multiplication ou divu ou division, qui prenait beaucoup de temps au processeur. Au processeur, pardon. Donc ça m'avait posé problème au début, cette multiplication par 2 ou division par 2. En fait, quand on repasse par le. Quand on fait simplement le corollaire avec le décimal, c'est assez simple. Voilà, je crois qu'on a vu les principales difficultés initiales et les trucs sur lesquels je voulais insister, puis qui m'ont vraiment posé des problèmes au début. Maintenant, la prochaine vidéo, ça va être de la programmation. On va enfin s'amuser un petit peu. Alors, là, je vous donne le sujet de la prochaine vidéo et vous allez essayer de le faire vous-même avant. Je crois que vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, si vous n'y arrivez pas, ben vous regardez la prochaine vidéo. Donc, le but de la prochaine vidéo, c'est de déclarer une table de données, par exemple de DC.W, on va dire 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et qu'on écrive un programme qui remette tous les chiffres de cette table dans l'ordre. C'est-à-dire, je veux qu'à la fin du programme, dans la table, il y ait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va être utile, ça va nous permettre de. Bon, d'abord, c'est un petit jeu, ça va permettre d'être un programme qui fait enfin quelque chose. Et puis, ça va nous permettre d'apprendre à parcourir les tables, ce qui arrive tout le temps en assembleur, en particulier dans le cadre des démos, où on parcourt sans arrêt des tables de sinus, de cosinus, des trucs comme ça. Voilà, donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la solution. Merci.